les KPI, on les divise en deux. On a vraiment les KPI de performance et ensuite les KPI d'adoption. Alors, pour les KPI de performance, on va avoir les volets marketing, les volets interaction avec nos contacts et ensuite vraiment production opportunité. Donc, dans les marketing, on va avoir toutes les interactions que notre service marketing a eues avec les contacts et les réponses. Ensuite, dans les interactions, on va avoir vraiment tous les rendez-vous et toutes les tâches que les utilisateurs de notre firme ont effectuées auprès de ces contacts-là. Et enfin, sur la production, ça va être vraiment les suivis du pipeline. Et ensuite, sur l'adoption, on va vraiment mettre les stratégies de qu'est-ce qu'on souhaite que les utilisateurs fassent. On va pouvoir identifier des actions, ensuite les mesurer et les objectiver.